Bonsoir les amis, aujourd'hui recette de clafoutis aux cerises. 600 g de cerises, 100 g de farine, 100 g de sucre, 2 œufs, 80 g de beurre fondu, 50 centilitres de lait. Alors, on verse la farine. Le sucre. Les œufs. Et le lait. On bat tout doucement ce mélange. Voilà. C'est parti. Regardez, ça prend forme. On commence déjà à avoir une belle petite pâte à gâteau, à clafoutis. Un petit délice. Voilà. Alors, voilà, on va rajouter maintenant le beurre fondu. Vous avez remarqué, zéro calorie. Moi, il y en a qui mettent les cerises au fond du plat. Moi, j'aime bien, c'est les mélanger dans la pâte. Regardez, hop, et c'est parti. Voilà. Ça y est, c'est prêt. La préparation est prête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va le mettre dans le moule. Bien bourré. Petite préparation. Voilà. Impeccable. Maintenant, on va le mettre 40 minutes à cuire avec un four à 180 degrés. A tout à l'heure les amis. Ça y est, on arrive à la fin de la cuisson. Alors je vais vous répéter les ingrédients le temps que la cuisson se termine. 600 g de cerises, 100 g de farine, 100 g de sucre, 2 œufs, 80 g de beurre fondu, 50 centilitres de lait. Et puis, c'est tout. Écoutez, c'est l'heure de la sortie du four. On va voir le résultat. Oh là là, regardez les amis. Ça a l'air d'être bien bon. Et si on tentait le couteau pour voir s'il est bien cuit? Si la lame ressort nette, c'est qu'il est bien cuit. Sinon, il faudra le remettre un petit peu au four. Impeccable, les amis. Regardez, voici un petit clafoutis aux cerises. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.